Donc salut tout le monde, c'est Insdeli. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pokémon Méga Donjon Mystère. Donc la dernière fois, donc il y avait des, je sais plus que leur nom, qui nous couraient après. Donc apparemment ça doit être fini. Et ou pas de Nétram à l'horizon. Voilà, c'était les Nétram qui nous couraient après. Je crois bien qu'on les a semés, mon gars. Puis ou là, je suis lessivé. Mais tout est bien qui finit bien. On s'en est débattouillé, ça oui. Piou. Boudiou, tu parles d'une histoire. J'ai rien demandé, moi. Mais bon, c'est fini. N'en parlons plus. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais je vais vraiment rentrer, moi. Toi aussi, rentre-toi bien. Boudiou, t'es un humain, c'est bien ça que t'as dit. Bon, supposons que tu viens du monde des humains. C'est un peu gros, d'accord. Mais supposons... Tu comptes faire quoi, du coup? T'en sais rien, pas vrai? Je m'en doutais. Tu me diras, ça me regarde pas, mais si t'as nulle part où aller, c'est pas mes oignons, après tout. Va falloir que tu te débrouilles comme un grand. Sympa. Bonne chance, hein, et à la revoyure. Je vais où? Me regarde pas avec ses gros yeux de beau chien battu. Ça me travaille quand même. Et si les Nétram revenaient? Je peux vraiment laisser un petit gars tout seul comme ça? C'est un cadavre de femme majeure, ça oui. Et si tu venais à la maison? Super, allons-y. Mon village est par là. C'est pas la porte à côté, mais bon. Me lâche pas le patelot, tu risques de te perdre. Et c'est ainsi que notre héros Deliana se mit en route pour le village de Pifeuille. Nos compères cheminèrent par mont et par veau, campant à la belle étoile. Jusqu'au jour où, enfin... Boudiou, on y est! Nous voilà arrivés! Tu vois le lac tout là-bas? Bah, le petit village au bord du lac, c'est le mien. Ça s'appelle Bourg Tranquille. D'accord. On y est presque, mon gars. On trotte encore un peu et c'est bon. Deliana, un être humain, arrive ainsi dans le monde des Pokémon. Privée de ses souvenirs, Deliana se retrouve à Bourg Tranquille. C'est précisément dans ce village qu'il va faire une formidable rencontre. Un Pokémon qui partagera toutes ses aventures. C'était qui déjà? C'était qui déjà? C'était pas Lucario ou un truc comme ça? Vous les ouf, gardez. Bah oui. Oui. Rencontre avec Missy. Ah oui. Ah oui, je l'avais appelé Missy. On y est. C'est mon petit chez-moi. En même temps, un peu par là. Tada! Tu peux dormir là, mon gars. C'est pas pour un grand, mais il va falloir faire avec. Dis voir. Je vais te demander, tu comptes faire quoi de ta vie? Je me demande bien pourquoi les Nétram, ils te courent, c'est comme ça. Enfin, je vais pas te mettre la rate au courbrouillon pour ça, mais... On en saura peut-être plus si tu te retrouves la mémoire. En attendant, tu peux rester ici, ça te va? Je serai toi, je parlais près des Nétrums aux villageois, histoire de pas les tracasser. Et puis, bah... T'as pas l'air d'être bien vieux. Je devais sûrement t'inscrire à l'école du village. Ça va faire jasser si tu fais rien de tes journées. Donc on va te mettre à l'école. Je vais d'ailleurs m'occuper de ça tout de suite. Sors pas d'ici donc que je suis pas revenu. Je rigole, point, mon gars. Tu mets pas une patte dehors, d'accord? D'accord, et qu'est-ce que je fais? Hein? C'était quoi ce bruit? Wouah! Il y a quelque chose dehors. Et si c'était les Nétram? Je pensais les avoir semés, mais... Et qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Si j'ai pas le droit de sortir... Personne en vue.
Mais je dois rester sur mes gardes, il faut que je fasse attention. Ah, je le savais! Waouh! J'ai pas eu la verlue! Je t'ai vu quand t'es arrivé avec Lifei. D'où tu viens? Comment tu t'appelles? Moi c'est Missy, yeah! J'habite avec mon pépé juste derrière. La maison, tu vois? Et sinon, toi, tu viens d'où? T'es pas le fils de Monsieur Pifeuille, quand même. Mais non, je blague. Attends, tu viens d'arriver au village? Je vais te faire visiter, suis-moi. Hein, quoi? Et sinon, c'est quoi ton prénom? Attends, je te l'ai déjà demandé? Je pense pas, si. Deliana? D'accord. Ah, pardon, je te l'avais bien demandé. Mais je t'ai coupé la parole. Si tu dis si je t'ennuie, hein, je te vois bien que tu te dis « Oh là là, quelle est pénible !» Mais je blague, fais pas la tête des crémeux. Ah, t'as vu? J'ai fait un jeu de mots, me. Tu vois, mais me. Ah. D'accord. J'en étais où, moi, déjà? Ah oui. Ah, tada. Là, c'est la place de boire tranquille. C'est pas super grand, mais on en a plein des trucs bien. Là par exemple, tu as une boîte dépôt. Tu peux l'utiliser pour stocker des objets et ton argent. Ici, c'est le marché Kecléon. Tu peux y acheter toutes sortes d'objets. Pardon, c'est un peu trop d'infos d'un coup. On va faire les bâtiments un par un. Alors là, tu as... Hé, l'âme ici. Oups, l'ombre. Tout m'ont fait moucho courir. C'est toi qui as mis le bazar dans mes nénuphars, y est Paris. Attends, laisse-moi t'expliquer. Je voulais juste partir à l'aventure. Mais si, ne bouge pas. Misère, hippopotasse. C'est toi qui as mis les pieds dans ma cave privée, pas vrai? Et puis, même que tu as chapardé le trésor qu'il y avait au fond. C'est un malentendu, j'explorais juste un donjon. Et quand on termine l'exploration, on récupère un trésor, c'est normal. Pas si vite, Messi. Oh non, c'est la quêta, Pépé est là. Tiens, bébé Mégapagos. C'était donc là que tu te cachais? Le ménage va pas se faire tout seul. Ah, ça, pour vadrouiller, il y a du monde. Mais non, Pépé, j'ai une bonne raison, laisse-moi t'expliquer. Et tu as encore croqué les béorans dans le champ? C'est pas moi. Oh que si. Non! Arrête de me raconter des craques. Bon d'accord, j'avoue, c'est bien moi. Et tu sais quoi? J'étais délicieuse. Ouais, j'ai trouvé Missy. Hé, hey, Missy est là-bas, attrapez-le. Oulala. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Bien dit. Oula. Non mais quel cirque! Bon, je me retrouve tout seul ici, mais autant en profiter. Je vais faire un petit tour sur la place. Quand vous êtes dans un village, vous pouvez sauvegarder avec le menu X. Dans les donjons, vous pouvez utiliser un enregistreur pour sauvegarder. Hé hey, petit! T'es un gamin, pas vrai? Je le savais, moi, obligé d'aider les gens à se souvenir de leur capacité, yaha! Pour l'instant, mes fans en furie se font calme. Ils doivent être en vacances. Du coup, la Yada Academy est fermée. C'est désolé. Mais quand j'aurai le soutien de liaison de fans destinés, j'ouvrirai. Encore un peu de patience. Bon, c'est où que je dois aller, en fait? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Hein? Mucuscule a fait quoi? Bah, il a insisté. Ça suffit, escargôme! Pandespiel et toi, vous allez forcer, je parie! Oh là là, franchement, Uvaldem, comme t'exagères! Il a fait ça tout seul, comme un grand! Mais bien sûr! Vous passez votre temps, vous moquez de lui! Un jour, vous dépasserez les bonnes et ce sera trop tard pour venir pleurer! Ouais, d'accord. C'est bon, t'énerve pas comme ça! Emmène-moi tout de suite là-bas, allez! Ok. Ces deux-là, ce sont des enfants du village? Je me demande bien ce qui se passe, ça m'intrigue. Je dois aller
Ah, je dois aller là-bas, d'accord. Il y a une flèche dès que c'est que je dois y aller. Je pourrais faire comme si je n'avais rien vu, mais je m'inquiète un peu pour ces enfants. Ils avaient l'air paniqués. D'accord, donc en fait, je dois y aller. Quoi, tu veux dire qu'il n'est pas encore ressorti? Ouais, ça fait un bail qu'il est entré en plus. C'est un raté, je le savais. Je peux pas dire, mais je suis pas franchement surpris. Quand t'es un gros naz, tu fais pas ton malin comme ça. Mais non, monsieur a voulu jouer les gros bras. Il se la jouait grave en disant « Je vais vous montrer ce que je vaux. » Ah bah bravo. Il doit être en train de chialer au fond de la forêt. Bouahahaha. T'es vraiment ignoble, en espiègle. Mucuscule est un petit. Il est plus jeune que nous. Ouais, bah, il n'avait pas qu'à se la jouer, hein. Écoute, on lui rend un service, en fait. On lui explique que la vie, c'est pas tout rose. Et s'il lui arrivait quelque chose, hein? Je vais le chercher. Ah non, pas toi, Vivaldem. T'es notre petite princesse. On peut pas te laisser aller dans un endroit aussi dangereux. Ce qu'il ne faut pas entendre. Vas-y, toi alors. Hein, moi? Dans la forêt qui fait peur. Ah, jeu de mots nul. Non, merci. Pas que j'ai les pétoches ou quoi, hein. Je suis pas un pétochard, moi, hein. Je te fais pas des idées, hein. Pardon, désolé pour la caméra. Hein? Oula. Pardon, voilà. Voilà. T'es qui, toi? T'es pas du coin. D'où tu sors? T'es pas un gamin du village, ça c'est sûr. Bah alors, t'as perdu ta langue? Tu sais, il y a un truc qui s'appelle communiquer, c'est pratique. Que faire? J'ai entendu leur conversation, je pourrais aller le chercher, moi. À la recherche de mucuscule, ouais. C'est décidé, je vais le chercher. Hein? Tu veux partir à sa recherche? T'es sûr, parce que la forêt, elle colle vraiment les miquettes. Bah écoute, s'il veut absolument y aller, on va pas l'en empêcher, hein. Pas notre problème. Tu es vraiment sûr et certain? Vous savez à peu près où Mucuscule peut être? Il doit pas être bien loin de la forêt. En fait, il y a une grande feuille de papier pas loin de l'entrée de la forêt. Une grande feuille de papier? Comment ça? Ça date de notre dernière expédition dans la forêt avec Coin d'Espiègle. On avait pris une grande feuille pour s'en servir comme un appui. Mais tout plein de Pokémon horribles nous sont tombés dessus, le cauchemar! Je vous raconte pas la tranche de Pendexquel. C'était impayable! J'en rigole encore quand j'y repense. Wouah! Bref, vous avez oublié la grande feuille dans la forêt. Et vous avez demandé à Mucuscule de la rapporter? Ouais. On lui a dit d'écrire son nom dessus et de revenir avec. On lui a promis d'arrêter de le charrier s'il le rassurait. Désolée pour tout ça. Tu as bien compris, n'est-ce pas? C'est gentil de nous aider. Fais bien attention à toi. Forêt qui fait peur. Ok. Dans les donjons, ramassez autant d'objets que possible pour paver à toute éventualité. En appuyant brièvement sur B, vous pouvez à un moment vérifier vos objets. Si vous mangez une explograine, vous cracherez du feu et vous causerez énormément de dégâts aux ennemis en face. Ouvrez le menu objet et essayez. Ah mince! Ah, elle est morte! Si vous utilisez un pétrifiorme, les ennemis seront pétrifiés et ne pourront plus bouger. Attention, seuls les ennemis présents dans la même pièce que vous serez touchés. Ouais, je vais aller là. Oula! Ah, ils dorment! Oh non, il y a deux Pokémon ennemis! Utilisez un pétrifiorme et vos ennemis ne pourront plus bouger une patte. Si vous ne possédez pas cet objet, le salut réside dans la fuite. C'est où le menu objet? Ah, c'est X. Objet.
Qu'est-ce que c'est? Deliana marche sur une case sur Iracle, les stades de Deliana, d'accord. Ouais, parce que ça fait un bail que j'ai pas joué à ça, moi. Bon, d'accord. C'est où qu'on peut sauvegarder? D'accord, bah, c'est pas ici en tout cas. Ok. Voilà. Bon bah on va descendre, hein, oui. Ah mais arrêtez! Mais arrêtez de me suivre! Oh! J'ai plus de pétrifiorbe. Non mais arrêtez! Et pourquoi ils me suivent, eux? Ils sont sérieux? Bon bah je vais vous attaquer, hein. Mais arrêtez de me suivre! Mais crevez! Voilà. Ouh. Oh non, il y en a un autre. Mais arrêtez de me suivre là. Oh là là, il y a des ennemis partout, c'est pas possible. On en est à combien de temps? 18 minutes. On voudrait trouver un point de sauvegarde un jour. Hein. Y'en a pas? Attends. Je regarde un petit peu les alentours. Ah bah non, je reviens. Oh mais vas-y, mais tu me saoules! Allez hop, dégage. Voilà. Deliana monte au niveau 6. D'accord, mes PV ils se restaurent quand j'avance, d'accord. Non. Mais s'il vous plaît! Quand t'es confus, tu fais quoi? Mais arrêtez! Arrêtez ça! Mais arrêtez! Mais laissez-moi avancer, bordel! Pardon.
Vas-y, mais c'est la galère. Mais arrêtez! Comment on fait? Vas-y! Pardon. Bon, tu sais quoi, hein? Vas-y. Ah bah voilà! Oh bah c'était dur, hein? C'était dur, hein? On est à combien de temps? 21 minutes. Ok. Je sais pas trop où je vais là. Oui. Où est-ce que je peux sauvegarder? Ça c'est quoi? Hein? Voilà. C'est quoi? Minerus grain, d'accord. J'ai couvert pas mal de terrain. Ah, là-bas! Ouin, j'ai peur! C'est ça la fameuse feuille de papier dont... Bande d'espiègles et les autres parler. Il y a quelque chose d'écrit, c'est écrit à la patte. Oh là là, qu'est-ce que c'est mal écrit? Quel gribouillis. Bizarre, j'arrive à déchiffrer des signes. Ça dit mucuscule. C'est bien ça, l'enfant qui s'est percé jusqu'ici. C'est mucuscule. Il est arrivé jusqu'ici et il a signé la feuille. Non, on n'a pas de courage. Ouah! Hein? Tu es venu pour me sauver? Sniff, sniff. Ouin, j'ai eu si peur. T'as réussi? Et il a rapporté la feuille. T'as écrit ton nom aussi? Attends, je rêve, c'est quoi ce gribouillis? C'est pas un gribouillis? Trop drôle. Il devrait être mort de trouille, je parie que tu tremblais comme une feuille. Trop bon, faut qu'on montre ça aux autres. Allez, salut! Passez vite, revenez un peu ici. Alors. Et si tu ne vaux pas mieux que Mucuscule? Heureusement qu'il ne t'est rien arrivé. On aurait eu l'air fin sans ça. Pardon. Je voulais juste prouver que je n'étais pas un trouillard. Ces deux en deux, ils disent toujours n'importe quoi. Ne les écoute pas. Enfin, je dois admettre que tu m'as vraiment impressionné cette fois. Vraiment? Tu as traversé toute la forêt et tu as bien inscrit ton nom sur la feuille. Même si c'était un gribouillis. C'était pas un gribouillis. Et puis... Merci. C'est grâce à toi si Mucuscule a pu revenir sain et sauf. Merci du fond du cœur. Au fait, comment tu t'appelles? Pourquoi t'as fait ça? Je t'avais dit de ne pas en sortir. Fallait que t'attendes mon retour. C'était ce que je t'avais bien dit. Non, fais pas un coup comme ça. Enfin, je crie, mais au fond... Je vais pas te jeter la pierre. Je comprends que tu aies eu envie de faire un tour. Tu connais pas le coin ni rien. C'est beau d'avoir un petit cœur aventureux comme ça. Les adultes interdisent tout aux petits. Mais faut bien apprendre un jour. Je suis pas bien en kikinant à ce niveau-là. Si tu veux t'amuser dans le village, faut pas te priver, mon gars. Bon, l'école commence demain. Dodo pas tard, faut que tu te reposes bien pour être frais demain matin.
Bon, voilà, donc j'espère que ce deuxième let's play vous aura plu. Comment ? Pardon, non, j'allais dire ça filmait pas, mais non, si. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller vous abonner et bye tout le monde.